ne me connais pas, je m'appelle Samantha, n'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter, partager, etc, etc. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Hello, hello. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Salut, c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut tout le monde, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle palette de Kat Von D et je suis en train de suer chez moi. Je sais pas combien il fait dehors, mais il fait déjà super chaud et chez moi, il fait 26 degrés avec les éclairages et tout. Je suis en train de mourir alors qu'on est qu'en mars. Non, on est en avril, pardon, 1er avril. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle palette de Kat Von D. Je vais aussi vous parler d'un truc qui m'a un petit peu énervée. Mais d'abord, je vais vous la présenter. Alors, elle est disponible seulement sur le site de Kat Von D là tout de suite. Et si vous avez déjà commandé sur le site de Kat Von D, vous savez que normalement ces commandes arrivent dans une grosse boîte en carton, enfin une grosse entre guillemets. Donc en carton, l'extérieur tout en carton, l'intérieur est noir avec marqué Kat Von D dedans, etc. Emballé dans du papier noir. Et cette fois j'ai été un petit peu surprise parce que j'ai reçu la palette dans une petite enveloppe comme ça avec papier bulle. Alors le papier bulle est énorme donc il n'y avait pas trop de risque. Mais j'ai quand même eu peur quand j'ai vu... Quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mon dieu. Donc là, l'enveloppe est déjà en papier bulle et en plus ils ont rajouté du papier bulle. Et ensuite, donc elle se présente comme ceci. Je la voyais un peu plus grande, mais en fait elle est plutôt petite. Ce qui m'a toujours fascinée chez Kat Von D, c'est que c'est toujours marqué en anglais et en français, alors qu'en France on est toujours les derniers à avoir tous ces produits. Mais bon. Donc voilà donc le packaging. C'est une palette de fard à paupières qui est entièrement vegan. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Les teintes végétaliennes de Kat les plus éclatantes. Une fausse croyance court au sujet du maquillage végétalien, à savoir qu'il ne peut être hyper performant. Kat Von D Beauty est là pour prouver le contraire. Nous aimons autant les animaux que nous aimons le maquillage et c'est pourquoi nous n'avons de cesse de repousser les limites afin de créer les produits les plus parfaits possibles. Le truc intéressant avec cette palette, c'est que pour chaque palette vendue, 20% du prix de détail sera versé à Mercy for Animals, un organisme international à but non lucratif consacré à prévenir la cruauté envers les animaux. Et puis bon, la palette est exactement comme son packaging. Et la palette donc ressemble à ceci avec un miroir en forme de cœur, trop mignon. Ici c'est marqué meilleure application avec les doigts. Donc on va voir ce que ça va donner. Et ensuite ben, tous les fards sont des fards irisés. Le nom des teintes sont marqués ici. Et avant de tester la palette, je voudrais rebondir sur l'avis d'une youtubeuse, influenceuse, etc. Qui m'a un petit peu agacée. Donc cette personne dit que dans cette palette, il y a zéro concept et zéro intérêt et que c'était juste pour surfer sur la vague arc-en-ciel. Bah déjà, moi je suis désolée, mais la vague arc-en-ciel, bah, je la vois pas. Et j'ai envie de dire, depuis quand est-ce que Kat Von D surfe sur les vagues en général? Ces produits sont quand même assez originaux. Ensuite, effectivement, cette palette n'a pas fait le buzz. C'est pas forcément Instagram et les buzz qui me créent des envies. Enfin, je veux dire, oui, forcément, je pense que s'il n'y avait pas Internet, j'aurais beaucoup moins d'envie, j'aurais beaucoup plus de thunes, je préfère beaucoup plus de choses. Mais se focaliser sur un buzz, je trouve ça tellement, mais ridicule. Alors, excusez-moi si ça vous choque, mais Kat Von D, est-ce qu'elle a vraiment besoin de faire un buzz, en fait? Je pense pas. Je veux dire, la marque a déjà prouvé d'elle-même ce qu'elle valait. Et moi, il y a des produits que j'adore, il y a des produits que je déteste. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de faire un buzz ou quoi que ce soit. Et comme souvent, bah, cette palette, elle est disponible que sur le site internet de Kat Von D pour le moment. Elle est apparemment elle est limitée, donc je ne sais pas vraiment si elle va être vraiment disponible dans le monde entier. Mais en tout cas, il y a les dates sous l'un des posts Instagram. Et en France, elle devrait être disponible le 19 avril. Enfin, le but de vidéos, quand on est influenceur ou quoi que ce soit, c'est quand même d'informer les gens et pas de dire « Ouais, mais en fait, personne n'a entendu parler. Bah, renseigne-toi. T'es là pour te renseigner. T'es là pour dire aux gens ce qu'il en est. » Donc voilà, 19 avril en France. Après, vous l'aimez pas. C'est vous qui voyez. Alors, qu'on ne soit pas vegan, je ne suis pas vegan, mais pour autant, la cause animale, c'est quand même important. Donc, je ne vais pas dire que j'ai que des produits cruelty-free, mais j'essaye au maximum d'avoir que des produits cruelty-free. Et je trouve que c'est quand même important pour tout le monde d'avoir cette démarche-là, de faire attention à ce qu'on achète, aussi bien au niveau du maquillage, qu'au niveau de la nourriture, qu'au niveau de tout. Et du coup, dire que cette palette a aucun concept, aucun intérêt, mais je trouve que c'est un peu insultant, en fait, pour les personnes... qui se battent pour la cause animale.
Donc l'intérêt de ce palette, ben, elle est végane et 20% des bénéfices sont reversés à une association pour les animaux. Et encore une fois, mais je ne suis pas végane, je ne suis pas extrémiste, mes potes mangent de la viande, je m'en fous, les gens qui utilisent des produits non cruelty free, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on me dise qu'il n'y a pas d'intérêt à ça, ben voilà, ça me choque. Donc je suis désolée. Donc si vous êtes fan de cette personne, bah tant mieux pour vous. Si vous voulez venir après moi parce que je suis pas contente après elle, faites ce que vous voulez. Franchement, ça m'empêchera pas de dormir. Donc maintenant, on va parler de la palette. Donc si vous vous intéressez un petit peu à la cause animale, je vous ai tout dit sur cette palette. Donc 20% des bénéfices sont reversés à une cause animale pour lutter contre les tests sur les animaux. Tous les fards de cette palette sont des fards irisés. Alors, moi, j'aime les fards mat, je vous l'ai déjà dit et tout, je préfère les fards mat. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de palettes, tellement de marques qui font des palettes avec des fards mat. Pourquoi pas faire une palette tout en irisé? Moi, personnellement, ça m'a pas du tout choqué. Je dis pourquoi pas, à voir. Surtout que les couleurs sont très très belles, donc à voir ce que ça donne. Du coup, je vais faire des swatchs. Donc voici les swatchs, comme d'habitude je n'ai pas forcé sur les swatchs, j'ai juste passé mon doigt dans le pan et ensuite je l'ai glissé, j'ai pas fait d'aller-retour etc, j'ai vraiment juste passé mon doigt dedans. Donc pour la partie où on critique les pigments, bah, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi critiquer. En tout cas voilà ce que donne la palette. Moi perso, je l'aime bien, donc après c'est chacun ses goûts. Effectivement, il n'y a que des irisés, donc il va falloir composer avec ou avoir une autre palette pour composer avec. Moi personnellement, quand j'ai vu cette palette, je me suis dit que ce serait le top pour faire des maquillages monochromes ou bicolores, parce que c'est ce que j'aime bien. Disons que on voit tellement de choses tellement colorées que moi j'ai envie d'un peu de simplicité en ce moment. Alors du coup, ce que je voulais vous faire, c'était vous faire genre un look monochrome à chaque fois avec chaque teinte, ou alors bicolore, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mes envies, et de les intégrer dans la vidéo, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de le faire. Donc ce qui est sûr, c'est que je vais le faire en photo pour Instagram, comme ça vous verrez un petit peu la pigmentation sur les photos. Et là je vais essayer de reproduire ou de m'inspirer en tout cas de ce maquillage-ci que I Am Léa a fait, qui était posté sur la page de Kat Von D. Je vais appliquer Equality avec le doigt, on va bien voir. J'essaierai avec le pinceau sur l'œil gauche. De toute façon, ce sera plus facile vu que je suis droitière, donc la main gauche est plus dure. Alors, il y a un truc par contre que je trouve chiant. C'est que évidemment, quand, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites des swatchs sur une palette, quand vous allez genre chez Sephora ou je sais pas quoi, et que vous voyez les palettes qui sont swatchées et tout, ça lustre en fait le fard. Enfin, ça lustre pas, mais je trouve pas mon mot. Ça le glace, voilà. Et du coup, bah, c'est vachement plus difficile d'obtenir le pigment. Et du coup, de l'utiliser avec le doigt, cette palette, bah, c'est ce que ça va faire en fait. Ça va vite glacer le pigment et le rendre plus difficile à décoller dans la palette. Donc c'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu ce côté-là, moi, que je trouve bizarre dans cette palette. Mais voilà, Dante Equali, c'est un beige irisé, donc on va pas en demander des merveilles non plus. Hein. Je trouve que ça s'applique bien avec le pinceau aussi, donc je vais continuer avec le pinceau parce que utiliser mes doigts, je trouve ça chiant. Je crois que même en maternelle, j'aimais pas dessiner avec mes doigts en fait. Et du coup, je vais prendre donc Spaces, donc c'est le marron, c'est celui qui est ici, vous allez faire voir. Donc ça, c'est, je trouve que c'est les deux teintes qui ressortent le moins dans la palette, enfin, c'est une teinte neutre. Et ensuite, elle a utilisé la teinte verte pour faire tout l'intérieur de l'œil et remonter jusqu'au sourcil. Alors, ce que je vais faire
sur sa photo, alors c'est pas marqué qu'elle l'utilise ou quoi, mais sur la photo on dirait qu'elle a du violet dessous, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le violet, donc le empathie dessous. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'avais plus de place sur ma carte SD, donc ça s'est coupé le temps de la vider. Ben, j'ai fini, j'ai mis crucifix sur ma bouche, qui est trop beau, c'est un marron trop beau de chez Kat Von D, j'adore. Et du coup, voilà. Alors, du coup, j'ai pas pu tester toutes les couleurs, mais je me dis, je vais peut-être faire enlever la bouche et faire un truc sur la bouche pour voir ce que ça donne, juste comme ça pour le fun. En tout cas, ce que je peux vous dire, ben, alors déjà, j'espère que ça fait pas de tâches par rapport aux lumières et tout, parce qu'en vrai, bah, ça fait pas de tâche, mais c'est vrai que tout ce qui est irisé, métallique et tout, prendre en vidéo, bah, soit je suis pas douée, soit c'est trop difficile, quoi qu'il en soit, pour l'instant j'y arrive pas. Par contre, du coup, je me suis coiffée en arrière, parce que d'une part ma frange était comme ça, et que du coup elle voulait plus rien savoir, mais je trouve que mon front il est immense. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de laisser pousser ma frange comme je voulais le faire. Genre, je redécouvre mon front, bonjour. En tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Je suis contente, j'aime bien cette palette, elle est mignonne. Je dis pas que c'est la palette de ouf de la vie, mais elle est cool. En plus, elle est pas très chère. Je crois qu'elle coûte 43$. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai mis de l'huile de chez NYX, l'huile This Is Everything, qui est trop cool. Et je vais me servir de ça comme base, tout simplement. Bon, alors voilà, je suis en gros plan, vous allez voir tous mes boutons, je suis désolée. Des fois, je vous oublie. Je suis en mode, ah merde, je filme mais vous êtes pas là, vous voyez rien. Alors là on se rend compte que par exemple le rouge est beaucoup moins irisé que les autres couleurs. Je me suis bien amusée, je suis contente. Moi personnellement je la kiffe cette palette, elle est cool, et pourtant comme je vous dis je préfère les fards mat, donc je l'aime bien. Du coup voilà, je ne vous pousse jamais à la consommation, je me répète tout le temps, je vais pas vous pousser à acheter en vous disant c'est une super palette, c'est la meilleure palette de tous, etc. Je vous dis juste mon avis, moi je trouve que c'est une palette qui est cool. Ce que j'ai à dire c'est que du coup le rouge est pas vraiment irisé, comme vous avez pu le voir, il fait plutôt satiné. Le violet qui est un peu moins intense que ce que j'aurais voulu. Après il reste joli, mais c'est vrai que j'aurais préféré un truc un peu plus intense. Non, perso moi je l'aime bien cette petite palette. Je vais la poncer un petit peu. Je pense de vous faire des posts Instagram avec. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous comptez l'acheter ou non, si elle vous plaît ou non. Et n'oubliez pas que si vous l'achetez, vous contribuez à une meilleure vie pour les animaux, puisque 20% de chaque vente est reversé à une association qui lutte contre la cruauté animale. Et moi je trouve que c'est vraiment top, et je pense que chaque marque devrait faire quelque chose comme ça sur au moins une de leurs palettes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas donc du coup à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.